au mois de mars l'an dernier. Une voix étrange, venue d'ailleurs, me cria « T'es rien, toi !» Oui, je suis rien. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, le martien ? Tu sais que c'est très dur d'être rien sur la Terre. Tous les terriens veulent être quelqu'un. Soit président, soit ministre, soit maire, soit citoyen. Ils s'inventent des cartes, des numéros, des petits billets. Tout ça pour être ni plus ni moins que moi. Que moi qui ne suis rien. Ainsi, tous les terriens voulaient avoir l'air de rien. On serait peut-être bien sur la Terre. On dit toujours c'est avec des petits riens qu'on peut être heureux. Et si tous les terriens étaient rien, pourquoi est-ce qu'ils iraient se taper sur la gueule pour rien ? Ça vaudrait pas le coup. Alors ? Alors il y aurait plus de guerre. Mais avant que les terriens ne soient rien, faudra bien du changement. Parce que l'autre jour, je rencontre un type blond comme moi, les yeux bleus comme moi. J'ai dit, hé, t'es rien, toi ? Il me fait la gueule. J'ai dit, t'es rien, toi, t'es comme moi, t'es rien. Il me dit, je suis d'une race supérieure à la tienne. Je dis, mais qu'est-ce qui te différencie entre toi et moi ? En plus, on se ressemble. Il me dit, je suis de la race des seigneurs, je suis à rien. Oh là là, t'es vraiment un bon à rien que j'y fais. Il m'a fait encore plus la gueule, mais pour terminer ma petite salade, moi je vais vous dire, mieux vaut être rien qu'être un con. Alors, il avait bien raison, le martien, au mois de mars l'an dernier, quand il me disait « Pierrot, t'es rien, toi ?» Oui, moi, je suis rien.